au départ, ce n'est pas un dieu, c'est un fils de dieu, puisque son père est Zeus. Alcmène n'est pas une déesse, donc ça sera un héros. Bon, Héraclès, plus connu aujourd'hui sous le nom d'Hercule, puisque c'est le nom que les Romains lui donneront, il va être un homme pour les dieux et un dieu pour les hommes. En ce sens que les dieux vont l'utiliser pour combattre les géants, parce qu'en tant qu'homme, il a le pouvoir de tuer les géants, ce pouvoir que les dieux n'ont pas. On retrouve des temples un peu partout qui lui sont consacrés parce que pour les hommes, il est considéré comme un dieu. En réalité, c'est un homme qui va ressusciter parmi les dieux. On le retrouve effectivement jusqu'à nos jours puisque c'est certainement le premier qui va être représenté dans les péplums italiens. On le voit se battre avec Batman, on le voit se battre avec Superman. Autrement dit, il fait partie des premiers grands super-héros de la bande dessinée américaine. On a de multiples bandes dessinées où on le voit avec sa massue et sa peau de lion combattre avec Batman. Aujourd'hui, on les reconnaît, ces super-héros, parce qu'il y en a un qui porte un bouclier, c'est Capitaine America, l'autre qui porte... On les reconnaît très facilement, mais là, c'est pareil. Hein. C'est ce premier super-héros, celui qui est reconnaissable par ses attributs. Donc, finalement, dans sa représentation, il est plus considéré comme un dieu que comme un homme. Et on va retrouver nombre de temples qui sont consacrés à Héraclès à l'époque grecque ou à Hercule. Hein. Ce qui n'est pas le cas pour Ulysse, pour Achille, où aucun temple leur sont attribués. Hein. Dans le MAM, nous avons des représentations qui sont à l'origine des premières représentations sur les bases attiques de guerriers héroïsés au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hein. Et après, on a des représentations jusqu'à l'époque romaine et jusqu'à l'époque gallo-romaine, hein, puisque Héraclès... On le retrouve également dans les sites grecs qui sont à proximité de chez nous. On le retrouve à Glanum, du côté de Saint-Rémy-de-Provence, ce site archéologique où il y a un temple d'Héraclès. On le retrouve à Agde également, qui était une colonie grecque. On peut fortement imaginer qu'à Marseille, il y avait également un petit temple consacré à Hercule ou à Héraclès. Donc on le retrouve jusqu'à l'époque chrétienne. Son histoire est particulièrement intéressante, car si les 4/5 de ses travaux se situent dans la péninsule grecque, quelques-uns de ses travaux montrent les conquêtes ou les explorations du monde grec. Ce guerrier primitif, à la fois il représente les premières incursions grecques au monde méditerranéen, mais il représente aussi l'apport des Grecs et de la civilisation grecque dans le monde méditerranéen. C'est ainsi que les Grecs le voyaient du moins. Sa vénération vient du fait qu'il est un homme et un dieu parmi les hommes. Ce culte qui était consacré à Héraclès a quelque chose de très spécifique. On n'adore pas la puissance des dieux devant laquelle on ne peut rien faire. On adore la puissance d'un homme qu'on peut imiter quelque part.